Alors maintenant, place au concert, place aux élèves, aux professeurs qui vont nous interpréter donc, le travail accompli toute cette semaine. Alors nous allons commencer par les cuivres. Donc tous les cuivres se sont réunis pour vous montrer 4 pièces. Là, ils vont nous interpréter 2 pièces. Alors sous la direction de Régis Rouillard, voici la première pièce. Première pièce, on va avoir une fanfare de Canterbury, une fanfare qui a été écrite par Italien Thompson dans les années 80. Alors, un petit peu contemporain moderne. Et alors, il y a deux chœurs, chœur 1 et chœur 2. C'est interprété par les stagiaires de deuxième cycle et un copier leur professeur. Je vous remercie. Thank you.
Dans la présentation des professeurs, donc, vous avez, il y a eu Régis Rouillard, en professeur de trompette. Donc, il y avait aussi Charlie Villoteau, qui est obligé de s'absenter ce soir, qui avait un concert de prévu de longue date. Voilà, il était avec nous pendant toute la semaine. Alors, la classe de trompette, cette année, elle a compté quand même, combien de trompettistes ? 32 stagiaires. Voilà. 32 trompettistes. C'est rare, c'est ça ? Et donc la deuxième pièce a été dirigée par Michel Le Tieplemont, donc professeur de tuba. Et cette année, la classe de tuba a enregistré 11 stagiaires. Voilà. Alors, nous allons commencer avec l'ensemble de percussions. Alors, sous la direction de Mathias Deschamps et Fabien Tisserand. Cette classe de percussion, il y a eu cette année 20 stagiaires inscrits. Je vais passer la parole à Fabien qui va vous présenter le titre du morceau. Bonsoir à tous. Alors, voilà, nous allons vous jouer un arrangement d'une série qui s'appelle Game of Thrones. Voilà, nous avons ajouté dans le fond, vous allez les voir un petit peu si vous voulez. On a rajouté en plus, parce que nous, voilà, on aime partager, on a rajouté des trompettes, des trombones, des tubas. Donc voilà. Thank you.
c'était la classe de percussion. Nous poursuivons avec la classe de flûte, donc sous la direction de Pauline Mardel, que je vous demande d'applaudir, Véronique Bach, et avec une assistante, Chloé Bonton. Voilà. Donc il y avait 36 stagiaires en flûte et malheureusement j'ai dû en refuser 6 je crois. Donc je suis désolé pour eux, mais on ne peut pas arriver à faire un stage de bret avec 50 flûtistes quand même. On n'y arriverait pas. Alors, le titre du morceau, voilà. Véronique. Bonsoir. Alors, l'ensemble de flûte réunit ici les stagiaires de premier et de second cycle. Nous allons commencer par une pièce de Kimiko Tanaka, qui est une compositrice japonaise, toujours vivante. Et je viens voyager, puisque nous allons jouer les lunes de Cusco. Et puis, je présente écran le deuxième morceau, qui sera délivré par Pauline, qui est un extrait d'un dessin animé du roi de Disney, du livre de la jungle. Je vais pas vous donner le titre, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas avoir de mal à reconnaître, enfin, vous le faire. Et nous aussi, nous aimons partager. Donc, nous avons invité à venir jouer avec nous Simon au trombone, Xavier, notre infirmier préféré, à Lyon, et à Dion, je sais, pianiste, Bastien. Maxime. Pardon, Maxime.
Merci à la classe de plus, accompagnée des Xavier, Maxime, et puis j'ai perdu le troisième. Thibaut, voilà. Simon. L'année prochaine, j'apprends le prénom des 180 stagiaires. Promis. Sous la direction de Stéphane Thibault, pendant ce temps-là, ce sont les clarinettes, c'est ça, on va mettre en place. Sous la direction de Stéphane Thibault, donc l'ensemble de QI, nous poursuivons. La classe de trombone, cette année, a compté 13 stagiaires. Voici Stéphane Thibault. La dernière pièce des ensembles de cuivre, donc, c'est le professeur de France qui va la diriger. Donc Jérôme Percher. Alors la classe de chant cette année a compté 8 stagiaires. Alors, je laisse à Jérôme de présenter la pièce. Pas une lady. Ah ah. N'empêche que je vais finir par être un peu galère des stagiaires qui vont ici subir nos fureurs et nos petits conseils et qui méritent tous vos applaudissements, d'où la dernière pièce de Lady Gaga, Upload. Thank you.
après la classe de saxophone se prépare. Hein? La classe de clarinette, maintenant. Alors, la classe de clarinette a compté 25 stagiaires cette année. Donc, sous la direction de Patrick Vino et de Thierry Bénard. Je laisse le micro à Thierry. Alors, la classe de clarinette va vous présenter quelques extraits d'un voyage musical. Tout à l'heure, nous étions en Orient avec les pupitres et nous allons y retourner en passant par Madagascar et retourner ensuite au Brésil. Il s'agit d'un extrait d'un conte musical qui raconte le voyage de la Compagnie des Indes. Ce voyage qui partait de l'Orient et qui allait justement jusqu'en Chine et qui retournait à l'Orient en passant par le Brésil. Donc vous entendrez donc Madagascar, la dynastie Qing et le Brésil. Avec nos amis percussionnistes, nous en rejoint. Et donc cette pièce est écrite à l'origine pour clarinette et percussion, le compositeur étant Jean-Michel Cotou, un clarinettiste de la région. Thank you.
Sagas de Nalette, avec Thierry Bénard et Patrick Guillaume. Et pour terminer cette audition par classe, avant de retrouver les orchestres, nous allons terminer avec la classe de saxophone, donc sous la direction de Pascal Maffei et de Élise Pertuis. Et cette année, donc 34 stagiaires sur 5 stages. Bonsoir, j'espère que vous passez une bonne soirée, ça va continuer. Donc nous, on est enchantés, hein. Donc je profite pour vous présenter ma collègue Élise, qui fait le stage pour la première année. Elles sont plusieurs. Hein. Et donc voilà, donc ça s'est passé idéalement, enfin moi à mon sens, on a eu une super ambiance, voilà, aussi bien chez les petits que chez les grands, tout est... Il y a juste un petit bémol. Il nous a manqué notre doyen habituel de la classe de saxophone, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu faire le stage cette année. Donc il est dans la salle, je le salue et on lui fait une ovation. C'est Michel Gilet. Voilà, donc en plus, la musique reprend ses droits. Ah, donc on a voulu grouper les deux groupes, hein, petit niveau, grand niveau, vous voyez, ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Donc tout le monde joue deux morceaux, un premier morceau qui s'appelle Caméléon, d'un compositeur américain, Herbie Hancock, contemporain, hein, de grand jazzman d'aujourd'hui, et un autre morceau dont je n'arrive vraiment pas à me souvenir le titre, je me souviens juste le compositeur, c'est Pharrell Williams, j'ai plus le titre. Thank you.
laissé Élise le diriger parce qu'il savait que Xavier est toujours présent parmi nous, au cas où.
J'ai juste oublié de vous préciser qu'on avait mis aussi, pas toujours les mêmes, on s'est adjoint une équipe de choc aux percussions. Donc on remercie Adrien, et j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Lucas et Adrien. Bravo, merci. Alors nous allons commencer par une œuvre originale de Jacob de Haene qui s'intitule Odilia.
Et voici sur un air irlandais, une danse irlandaise. Le batteur est le chef d'orchestre en fin de compte. Si la batterie est en contre-temps, je ne peux rien faire. Une musique de film maintenant, un film de Luc Besson sur les profondeurs marines, donc avec un film qui s'appelle Atlantis. Thank you.
voici un morceau qui s'appelle African Alléluia. C'est une danse aussi, vous allez voir. De deuxième et troisième cycle, on va dire ça comme ça, hein, avec de la variété française. Variété française avec Jean-Jacques Goldman et une chanson qui s'appelle On n'y peut rien. Hein. Thank you.
Là, c'est pareil. Nous allons terminer avec Variété internationale avec le groupe ABBA. Stagiaires réunis pour interpréter le dernier morceau qui s'appelle Fort en or, fort comme fruit. Donc j'en profite pour vous remercier de votre présence, d'être revenu chercher vos enfants, ça nous arrange. À l'issue de ce concert, la Fédération musicale de la Sarthe vous offre le pot d'amitié. Voilà. Et je vous souhaite donc bon retour et certainement à l'année prochaine, si vous le voulez bien.